Bonjour. J'ai un t-shirt tout blanc. Je vais m'amuser à le décorer pour ma petite nièce. Je vais écrire son prénom. Louise. Pour faire ce bricolage, il vous faut un fer à repasser, des paillettes thermocollantes, du fil et une aiguille, ciseaux, de la colle à tissu, de petites chutes de tissu, d'un bouton, une fleur à coudre, des yeux animés. Première chose, on va devoir utiliser le fer à repasser. Alors attention les enfants, demandez à une grande personne si vous n'êtes pas à l'aise avec le fer à repasser. On commence par mettre un carton dans le tissu pour qu'il soit bien dur, pour bien positionner les paillettes. Sous la table, une petite serviette éponge pour ne pas abîmer la table. Je branche mon fer au plus fort. Je mets mes lunettes et on y va. Le long du col, une série de petites paillettes. Il y a un côté brillant et un côté plus mat avec de la colle. Vous mettez bien entendu le côté brillant sur le dessus. Voilà. Ensuite, je vais écrire Louise. Alors, je prends d'autres petites paillettes. Je vais faire un L. O. Pour le U, je prends un petit carré de feutrine. Je le plie en deux. Et je fais une petite forme allongée pour faire un U qui ressemble à une bouche avec deux yeux que je collerai par-dessus. Le I, un petit morceau de tissu. Comme d'habitude, je mets un petit peu de colle à tissu là où je vais découper pour ne pas que ça s'effiloche. Je positionne chaque lettre avant de tout coller. Je vais couper un S. Vous pouvez dessiner vos lettres sur le tissu avant de les découper. Et pour le E, un petit peu de colle. J'écris ma lettre. Youp là ! Et le point sur le I, une fleur thermocollante aussi. Je vais coller toutes les petites paillettes et ensuite je collerai mes lettres. Donc je retire ce qui craint la chaleur. Je pose un torchon sur mon t-shirt et je vais poser mon fer sans le bouger. Je compte jusqu'à 20. 20. Et je recommence aux autres endroits. 20. Il doit y avoir la fleur par là. Voilà, elle est là. Et il y a les petites paillettes rouges qui sont là. On attend que ça refroidisse un petit peu. Parfois, ça n'est pas tout à fait collé. Il faut remettre un petit coup. Je retire délicatement. Magnifique. Maintenant, je colle les lettres avec de la colle à tissu. La colle à tissu, ça passe à la machine. Mais si vous voulez que votre t-shirt dure plus longtemps, vous mettez un petit coup de fil. Je colle mes yeux. Un fil. Je prends mon fil en double. Je fais un nœud, un double nœud. Mais je le positionne là. Attention de ne pas vous piquer les doigts. Et voilà, je finis en passant mon fil par-dessous celui d'avant. Et je passe mon aiguille dans la boucle. Et je tire. Il ne se défera jamais. J'enlève le carton. Je vais mettre tout ça dans un papier cadeau. Et je vais faire friser le bolduc. Regardez dans le site, vous comprendrez.